Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve encore sur le camp. On va monter un tipi avec juste un tarp, quelques sardines et mon bâton de marche. Comme ça je vais t'expliquer un peu tout ça, comment on fait, plus ce petit goûter. Je suis accompagné vite fait, hop, j'ai Dylan, mais il veut pas se faire filmer, donc du coup il me servira de caméraman. Du coup tu l'as vu 2 secondes. En plus, après ça tu vas avoir... Je t'ai concocté un nouveau générique. Écoute, c'est pas mal. Je suis assez fier de moi. Tu me diras ce que t'en penses. Donc voilà. Et bah, du coup, je te laisse. Top générique. Et puis, bah, bonne vidéo. Amuse-toi bien. Allez, bye! Donc aujourd'hui, on va préparer le feu pour notre petit goûter. Parce que bah, aujourd'hui, j'ai un caméraman avec moi. Donc c'est la classe. Pour changer un peu du fire seal et de l'écorce de bouleau, aujourd'hui, je vais allumer le feu à la boîte à feu. Donc la boîte que vous connaissez déjà. Donc je vais faire comme la dernière fois, je vais faire un feu en espalier. Donc les gros morceaux en dessous. Même si j'ai pas pris de très gros morceaux, mais donc là, on va mettre quelques gros morceaux en dessous comme ça. Voilà, un petit peu là des deux côtés. Voilà. Et ensuite, je vais remettre vraiment sur le côté assez haut pour pouvoir glisser la boîte à feu en dessous. Comme ça, et vraiment les petits là vraiment au-dessus, comme ça je vais pouvoir glisser ma boîte à feu à l'intérieur. Voilà, et surtout pas oublier les gants pour l'enlever parce qu'elle va être brûlante. Donc voilà, bah allez, c'est parti. Là, je démarre la boîte, voilà, elle démarre toujours aussi bien. Donc voilà, puis après je vais venir la glisser en dessous là. Voilà. Pour qu'elle puisse faire prendre le petit bois. Là, je vais attendre 2-3 minutes. Histoire que le bois du dessus prenne. Et elle retombe sur le reste qui finira de cramer, quoi. Bon alors là, vous voyez, le feu il est bien pris. Donc je vais enlever ma boîte, donc important, des gants, parce que c'est un peu chaud quand même. Là je vais poser ma boîte là, et je vais l'étouffer avec le couvercle. Voilà, voilà, juste ça, tac. Voilà, ça je la mets de côté. Et puis voilà, là le feu il est parti. Donc ça n'a plus qu'à... Plus qu'à attendre un peu pour
faire griller des pains au lait avec de la confiture, ça sera très bien. Voilà, je vais vous expliquer comment faire un tipi avec un tarp et des sardines tout simplement. Donc pour ça j'ai besoin d'un tarp, donc c'est mon tarp d'habitude, hein, 3x3, hein, toujours le même. Ensuite il me faut des sardines, donc comme d'hab, sardines en alu ou sardines en croix à droite. Ensuite des cordes, donc un morceau de cordelette, ça devrait suffire. Et un bâton de marche réglable, donc celui-là il se règle jusqu'à 1m30. Donc généralement je suis autour d'1m20 pour monter un tipi. Là je vais t'expliquer comment faire un tipi avec un tarp. Donc là j'ai mon tarp, c'est un 3x3 classique. Là, je vais le soulever un peu là. Hop, je vais bien le placer. Hop. Là, je vais mettre ma première sardine au milieu, au bout. Alors, je suis un peu dans les 11, mais je pense que c'est pas mal. Voilà. Ensuite, je vais prendre le sel du milieu sur le côté. Hop. Que je vais décaler un peu. Je vais pas trop serrer parce que ça. En fait, pour que je puisse lever au milieu. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Alors, c'est pareil, je prends l'œillet du milieu. Le flot, je le laisse en dessous. Voilà. Là, je le mets bien là. Ensuite, je vais prendre ma canne et ma ficelle que je vais mettre ici, vraiment à l'œillet du milieu de l'autre côté. Voilà, je vais le décaler un petit peu. Donc je fais pas de nœud, normalement on peut faire un nœud de cabestan, ça tient bien. Là j'ai juste fait une boucle, je vais repasser le flot de la cordelette dedans. Voilà, j'ai bien serré et je vais repasser le bout dans l'œillet, histoire de dire que l'œillet soit remonté. Voilà, comme ça. Hop, après je règle ma canne. Hop, et là je viens tendre pour y mettre une sardine. Donc là c'est pareil, au bout je vais refaire une boucle. Ce sera plus simple, ça se défait bien. Donc j'ai fait une boucle. Hop, je plante ma sardine. Et ensuite il n'y a plus qu'à attacher les côtés. Donc de chaque côté, en tendant bien. Voilà. Bon, je vais pas mettre les sardines à fond, ça sert à rien, de toute façon je dors pas là. Et faire pareil de l'autre côté. Voilà, tout à même re-régler après, après les autres sardines. Ouais, genre celle-là, on peut la re-régler. Donc on peut la retendre un peu. Enfin, c'est bon, celle de derrière c'est barré. Pas grave. Hop, là on peut retendre. Voilà. Et voilà. Donc là, tu peux voir à l'intérieur. Donc il y a de la place, il y a à peu près 3 mètres carrés. Le chien il va peut-être y aller. Vous voyez ? Alors il y a à peu près 3 mètres carrés. Bon, le problème c'est qu'il n'y a pas de moustiquaire. Le chien s'en fout. Le problème c'est qu'il n'y a pas de moustiquaire. Mais du coup j'ai déjà fait une nuit comme ça et c'est plutôt agréable. Je ne me fais pas trop bouffer par les moustiques donc ça va. Mais sinon ouais c'est pas mal. Donc je dis à peu près 3 mètres carrés, donc quoi, je pense dormir à deux avec son matériel, avec deux socles, ça passe à l'aise. Ouais, le chien il a décidé d'aller inaugurer mon bout. Donc voilà. Le montage est fait, c'est rapide, ça a pris 5-10 minutes. Et là le montage est nickel. Donc voilà, je te laisse, ça va être l'heure de goûter. Et du coup je te filmerai notre goûter et
ferai un petit mot pour le caméraman quand même, parce qu'il est sympa, il me filme. Allez, bon goûter. Alors du coup, on a fait cuire les pains au lait. Je crois que on les a un peu oubliés. Bon, c'est pas grave, ça va être bon quand même. Bon, on va quand même les manger, c'est pas grave, trop de feu. Le feu, il a trop pris et du coup, bon, on va manger cramé. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, il a fini de faire cuire nos brioches, enfin ça a été rapide du coup. Donc là, petit goûter, petite brioche à la confiture, brioche bien cramée. Mais c'est pas grave, c'est bon quand même. Avec, on s'est pris un petit jus d'ananas, c'est impeccable. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'hab, vous me retrouvez sur les autres réseaux sociaux, hein, comme Insta, Facebook, TikTok, voilà, tout le bordel. Et j'espère que ça t'aura plu, et si t'as une idée de vidéos, de quelque chose que tu veux savoir, que je pourrais te faire voir, surtout t'hésite pas, tu me mets un petit commentaire et puis tu me dis ce que tu veux que je fasse, ou si t'as un petit défi à me lancer, moi je prends, hein, si j'ai le temps de le faire, je le ferai avec plaisir. Allez, à bientôt sur les réseaux, et puis sortez en forêt comme d'hab, allez vous balader, profitez, il fait beau, donc profitez bien, allez salut.